Hey, bonjour à tous ces amis, c'est Jérôme Invoyance et bienvenue sur ma chaîne de voyance. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de voyance. On va s'intéresser comme le mois dernier au lien qu'il y aura entre Emmanuel Macron et les Français pour le mois de février. Donc vous avez été très nombreux à me suivre pour le mois de janvier, j'espère que ça sera aussi le cas pour ce mois-ci. Donc je vais vous montrer en fait les cartes que j'ai pu tirer et je vais vous expliquer un peu ce qu'il en ressort. Voilà. Nous avons la carte du Battleur, l'Empereur, le Chariot, la Maison des Dieux, ainsi que la carte du Pape. Donc très bon début de mois, très bon début de mois que ce soit pour lui ou pour nous. Voilà. Je pense que c'est déjà dû aux entrées d'argent principalement pour les gens. Ça va les soulager un peu du mois qu'ils ont pu avoir un peu catastrophique, pardon. Voilà. Après, il y a des choses quand même négatives puisque vous allez pouvoir voir au niveau du pouvoir d'achat, on aura une augmentation dans l'année spectaculaire. Voilà. Et c'est pour ça que ça va, ça, c'est un cercle vicieux en fait. On est dans une bonne phase, puis une mauvaise phase. Y a pas le côté positif qui continue sur toute l'année. Il y aura toujours un truc qui va faire que l'ambiance va pourrir. Alors moi, ce que je vois, c'est par rapport au président, il va faire preuve de beaucoup de sagesse. Il va beaucoup écouter plus que répondre. Moi, je pense qu'il est rentré dans une nouvelle phase, et j'avais vu ça sur Internet, mais après ça ressort au niveau de mes cartes, dans une nouvelle phase, où il va arrêter, on va dire, son arrogance un petit peu. Et il va beaucoup écouter les gens, mais moi, honnêtement, donc je vais vous parler des cartes déjà, puisque on verra après mon avis perso. Je sais que ça peut ne pas plaire, mais je donne mon avis et c'est comme ça. Beaucoup ne donnent pas son avis, moi je donne mon avis. Moi, clairement, ce qui ressort, c'est par rapport à l'empereur, c'est que il y a clairement un triomphe sur les adversaires. Donc, par rapport, je pense que par adversaire, c'est les partis politiques. Il va être ce mois-ci clairement au-dessus. Il va aussi adapter une autre stratégie par rapport, je pense uniquement voilà, que c'est par rapport aux européennes. On est comme dans la phase des présidentielles. Oui, il faut se faire bien voir des gens. Donc, il va aller beaucoup vers les entreprises, les sociétés, les agriculteurs, etc., etc., français, voire même dans les autres voilà, pays, pour voir les soucis en leur promettant de réagir et de faire en sorte que les choses aillent mieux. Tout ça pour se faire bien voir, bien sûr. Je pense. Après, voilà. C'est mon avis. Et c'est ce qui ressort, en tout cas, vraiment quelque chose où il va vers les gens, où il va répondre à leurs attentes, à leurs questions, à leurs peurs, à leurs craintes. En tout cas, les liens entre le président, donc c'est quand même le but de la vidéo, c'est de vous dire les liens entre le français et le président, pour mois de février, seront largement satisfaisantes. Il va augmenter dans les sondages, vous allez voir, voilà. Il va essayer de ne pas faire de bêtises et par rapport à ses paroles, à les maîtriser pour que les gens soient satisfaits de lui. Voilà, parce qu'il y a un objectif à atteindre derrière. Clairement, nous avons la carte du chariot qui est ressortie dans le tirage. Ça nous dit chance, succès, réussite, victoire. Donc, je pense que ça, c'est peut-être par rapport aux européennes. Du coup, moi, j'avais fait une vidéo sur les européennes où j'avais vu vraiment 3% d'écart entre le Rassemblement et La République en Marche. Et je voyais quand même quelque chose d'un peu plus positif pour le Rassemblement national, mais du coup, ça ressort. Alors oui, je l'avais vu donc avec un tirage légèrement meilleur que celui-là de La République en Marche. Maintenant, c'est à voir. Il reste encore 3 mois. Janvier, février, mars, avril, mai, ouais, plus de 3 mois pour déterminer qui aura les chances de gagner. En 3 mois, tout plein de choses peuvent se passer. Je vois ensuite par rapport à la Maison des Dieux et avec le pape et tout, un meilleur contrôle de soi. Donc sa façon d'exprimer sera vraiment différente. Pareil, les gens seront moins énervés, plus calmes, plus zen. Il y aura toujours des manifestations, mais en plus petit nombre. Voilà, et il arrivera sûrement à convaincre d'autres personnes. Donc de nouveau, de le suivre et de lui accorder une deuxième chance. C'est ce qui ressort dans le tirage. Mais après le mois de mai, par contre, les choses vont s'empirer. Vous allez voir,
ça va revenir de nouveau à la même situation. Donc, il y a des événements qui ne vont absolument pas plaire. Donc, pour répondre à la question par rapport au titre de ma vidéo, le lien entre Emmanuel Macron et les Français pour février 2019 va s'améliorer. Il va augmenter dans la popularité. Moins de gens seront en colère contre lui. Voilà. Il va augmenter dans les sondages, dans tout ça. Et voilà. Le lien, en tout cas, s'améliore pour ce mois-ci. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous en avez d'autres, si vous avez d'autres sujets de vidéo qui vous intéressent. N'hésitez pas à me donner ton avis en commentaire, à me laisser un maximum de pouces bleus pour me soutenir. N'hésite pas à partager cette vidéo avec tout le monde, c'est très important. On va faire donc, voilà, ça m'aide toujours et pour faire passer le message au maximum de personnes. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux, pardon, sur ma page Facebook Jérôme M Voyance. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos de voyance.